Comme vous pouvez le constater, il s'agit bien et bel du chapitre 43, tiré de l'œuvre, extrait de l'œuvre, Le dernier jour d'un condamné, de Victor Hugo. L'objectif de cette séance est de comprendre le récit à visée argumentative. Passons à la lecture de l'extrait. Elle est fraîche, elle est rose, elle a de grands yeux, elle est belle. On lui a mis une robe qui lui va bien. Elle me regardait d'un air étonné. Caressée, embrassée, dévorée de baisers, et se laissant faire, mais jetant de temps en temps un coup d'œil inquiet sur sa bonne, qui pleurait dans le coin. Enfin, j'ai pu parler. Marie, ai-je dit, ma petite Marie. Je la serrai violemment contre ma poitrine, enflée de sanglots. Elle a poussé un petit cri. Oh, vous me faites du mal, monsieur, m'a-t-elle dit. Quoi, déjà plus père, être condamné à ne plus entendre ce mot de la langue des enfants, si doux qui ne peut rester dans celle des hommes? Et pourtant, l'entendre de cette bouche, encore une fois, une seule fois, voilà tout ce que j'eusse demandé pour les 40 ans de vie qu'on me prend. Écoute, Marie, lui ai-je dit, en joignant ses deux petites mains dans les miennes. Est-ce que tu ne me connais point? Elle m'a regardé avec ses beaux yeux et a répondu. Ah, eh bien non. Regarde bien, ai-je répété. Comment tu ne sais pas qui je suis? Si, a-t-elle dit, un monsieur. Hélas, n'aimer ardemment qu'un seul être au monde, l'aimer avec tout son amour, et l'avoir devant soi, qui vous voit et vous regarde, vous parle et vous répond. Et ne vous connaît pas. Ne vouloir de consolation que de lui, et qu'il soit le seul qui ne sache pas qu'il vous en faut parce que vous allez mourir. Marie, ai-je repris, as-tu un papa? Oui, monsieur, a dit l'enfant. Elle a levé ses yeux étonnés. Je l'ai couverte de baisers et de larmes. Elle a cherché à se dégager de mes bras en criant. Elle pleurait presque. La mise en situation. Contrairement à ce que laisse entendre le titre de l'œuvre, l'histoire se déroulera, comme vous l'avez compris, à travers le chapitre 2 sur 6 semaines. Dans la même logique, vous aurez compris qu'à travers les chapitres 5 et 21, l'auteur alterne entre espoir et désespoir. En effet, l'auteur apprendra au chapitre 21 que son pourvoi en cassation a été rejeté. Le condamné l'avait appris avant. Ou plutôt, il l'avait compris avant. Lors de la visite du geôlier, chapitre 18, et le directeur de la prison, chapitre 19. La visite du geôlier marque le début du dernier jour, le début effectif du dernier jour d'un condamné. Le compte à rebours est mis en marche. La chronologie du dernier jour. 6 heures du matin, l'arrivée du geôlier. 6h15, chapitre 21. Visite du prêtre, puis de l'huissier de justice, qui vient annoncer la mauvaise nouvelle. Le pourvoi est rejeté. 7h30, transfert vers la conciergerie. 8h30, une rencontre avec le prioche. C'est un argument contre la peine de mort, puisque la peine de mort n'est pas dissuasive. On peut le dégager à travers l'énoncé, ce cachot ne les emplit pas. Donc, il suffit juste qu'un condamné sorte du cachot, pour qu'un autre ressorte, ou plutôt y entre. À 10h du matin, c'est le chapitre 26, évocation de Marie, argument contre la peine de mort. L'argument avancé par Victor Hugo à ce propos, c'est que une fille doit subir les conséquences du crime de son père, du soi-disant crime de son père. Elle sera méprisée par la société pour ce que son père a fait. 13h, transfert vers l'hôtel de ville, c'est le chapitre 37, et 13h15, le condamné ressent une douleur atroce. Il ne lui reste plus que 2h45 minutes à vivre. Passons à l'identification du texte. Le genre. Il s'agit d'un roman à thèse. À travers sa préface, Victor Hugo déclare que son œuvre est un réquisitoire contre la peine de mort. C'est-à-dire, il retrace, il recueille l'ensemble des arguments contre la peine de mort.
Le type de texte, c'est un récit avisé, argumentatif. Le registre littéraire est pathétique puisqu'il éveille les sentiments de l'auteur, ou pardon, du lecteur. La focalisation, l'auteur joue habilement avec la focalisation, notant toutefois que Victor Hugo favorise la focalisation interne. La situation du passage. Ça se passe à l'hôtel de ville. L'heure, il est environ 14h. L'événement, c'est la visite de Marie. Après son transfert à l'hôtel de ville, le condamné s'engage dans un état oppressant. Un compte à rebours est enclenché. On lisait dans le chapitre 38, encore 2h45 et je serai guéri. La seule lueur d'espoir qui lui reste est sa fille qui va lui rendre visite dans un moment et sa déception sera très grande. Les idées forces. L'utilisation de la stratégie argumentative du persuasion. La persuasion, c'est la stratégie argumentative où l'auteur joue sur les émotions du lecteur. On parle d'arguments émotionnels. Victor Hugo cherche à éveiller la sympathie du lecteur. C'est le registre pathétique. Deuxièmement, le décalage ou l'opposition entre deux points de vue. Le père est content d'avoir vu sa fille, qu'il n'avait pas vue depuis presque un an, en se référant au chapitre 9, bien entendu, alors que la fille éprouve une inquiétude, de la méfiance à son égard. D'où la contradiction des sentiments exprimés. Le narrateur va perdre toute raison de vivre après qu'il ait perdu dans la cour de cassation, c'est-à-dire après que son pourvoi ait été rejeté. Il va apprendre que sa fille ne le reconnaît pas. Les champs lexicaux. Les champs lexicaux du côté de la fille sont apparentés à la douleur et à la peur. On parle d'un air étonné, d'un coup d'œil inquiet, pardon. Elle a poussé un petit cri. Vous me faites du mal. Elle a cherché à se dégager de mes bras en criant. Elle pleurait presque. Tandis que de l'autre côté, le champ lexical qu'on peut dégager est apparenté à l'affection, à l'amour. On parle de caresse, d'embrasse, une fille embrassée, dévorée de baisers. Une poitrine enflée de sanglots. Je l'ai couverte de baisers et de larmes. Le registre pathétique. À travers ta lecture de l'énoncé, ou pardon, à travers ta lecture du texte dans son ensemble, tu auras dégagé certains énoncés. Par exemple, bientôt un an qu'elle ne m'a pas vu. Là, on éveille la compassion du lecteur. La fille semble avoir oublié le visage de son véritable père. Le deuxième énoncé est celui qui est marqué en jaune. Hélas, n'aimer ardemment qu'un seul être au monde, l'aimer avec tout son amour et l'avoir devant soi, qui vous voit et vous regarde, vous parle et vous répond. Et ne vous connaît pas. Au lieu de cela, sa fille qui ne le connaît même pas n'éprouve aucun sentiment, aucun, envers cet homme. Oh, vous me faites du mal, monsieur, m'a-t-elle dit. Pire encore, il est condamné à deux reprises. Il est condamné à ne plus entendre le mot de la bouche de sa fille et il sera exécuté tout à l'heure sur la place de la Grève. Ce que vous devez retenir après la lecture intégrale du chapitre 43, c'est-à-dire la lecture du chapitre dans sa totalité depuis le début jusqu'à la fin. Quelle personne a-t-on amené au condamné? Le personnage qu'on a amené, c'est Marie, la fille du condamné, la fille du narrateur. À quand remonte le dernier contact entre Marie et son père? Presque un an. Quel est le mot utilisé par Marie pour appeler son père? Marie a appelé son père par « monsieur ». Comment Marie a réagi face à l'excès d'affection affiché par son père? Marie a affiché un étonnement, puis une inquiétude, avant de se mettre à pleurer. Quelle était la réaction du père? Quelle est la cause de sa déception? Pourquoi il est déçu? Le père n'en revenait pas. Il était choqué par le fait que sa fille ne l'ait pas reconnue. Il mourra à deux reprises, comme on l'avait dit tout à l'heure, dans la mémoire de sa fille. Et tout à l'heure, sur la place de la Grève.
Et bien entendu, le registre utilisé est le registre pathétique parce qu'il suscite la compassion et la pitié du lecteur. Une synthèse, tout au long de l'œuvre, le narrateur oscille, c'est-à-dire qu'il varie, qu'il alterne entre espoir et désespoir. Il monte et descend. Ce qu'on peut dégager à travers les chapitres 5, c'est le pourvoi en cassation, donc c'est l'espoir. Et le chapitre 21, c'est le rejet du pourvoi en cassation, c'est le désespoir. Le chapitre 43 vient anéantir toutes les lueurs d'espoir. Il constitue une suite logique du chapitre 26 et ainsi on peut faire une petite comparaison entre le chapitre 5 et 21 et le chapitre 26 et 43. Marie ne reconnaît pas son père. Celui-ci n'a plus aucune raison de vivre, pardon. Il se laisse faire. La décapitation est dans moins de 2 heures.